Essentiel. CJ connaissent bien Jacques Attali. Toute communication est venant du haut vers le bas, c'est-à-dire du pouvoir vers ceux qui... La première que j'ai faite, que j'ai traitée, c'est en fait l'histoire de la musique, son destinataire final. Donc il dit peut-être que je peux vendre. Et ceci, c'est à peu près au début. Comme vous savez, Gutenberg, c'est pas vraiment Gutenberg de faire des caractères mobiles d'imprimerie. C'est lui qui fait démarrer l'imprimerie. L'âge du latin, et c'est bon pour l'Empire. Et donc, parce qu'en effet, on a commencé en effet à écrire des textes, ce qui est intéressant pour l'avenir, d'ailleurs, parce qu'une innovation qu'on croit centralisatrice est en général décentralisatrice. Côté Jérusalem, en Égypte. Donc les marchands juifs font circuler l'information, comme beaucoup. Et alors pourquoi à ce moment-là? Je pense que ça va faire du moment, vous savez. Mais que dans la religion catholique, le crédit est interdit. C'est interdit. Donc, on sait, s'installe la haine des Juifs, et donc on invente toute une série d'agents plus tolérants que le monde à l'intelligence. Crée les deux premiers vrais journaux durables, qui sont le journal d'Amsterdam, qui à la fin de la censure en Grande-Bretagne, à la fin du 17e, grand champ de développement, qui va ensuite se retrouver... Les journaux sont terrifiés, ils sont convaincus que ça va nuire à les journaux, et on achète ou se fait acheter les correspondants américains extraordinaires que télévision n'importe où, vous êtes obligé de la regarder. Des médias, il y a le fait que de plus en plus, si la radio financée soit, encore une qui est apparue cette semaine, prouve que les GAFA peuvent à la limite espérer survivre sans publicité par payer ses auditeurs, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de garantir qui s'en sert de façon annexe, et de spectacles vivants qui sont associés, les concerts par exemple qu'organisent les radios. Et donc on a aujourd'hui le quart du papier journal qu'on utilisait il y a 20 ans. Il y a quelques autres papiers qui tiennent, en particulier des hebdomadaires ou des journaux spécialisés pour des publics spécialisés, journaux chinois. Les journaux japonais, assez longtemps, mais c'est un cas très particulier, c'est assez autre chose. Mais pour donner des informations, le journal papier n'est plus le bon média. Les informations, il faut que ce soit beaucoup plus rapide. Que dès qu'elle voit surgir une innovation qui pourrait la concurrencer... Oui, c'est pour ça que vous dites que quelque chose est en train de naître, qu'on n'a pas vu. C'est un technologique. Moi, je rêve d'une application à laquelle certains travaillent. Mais ça mériterait qu'on y travaille avec beaucoup de moyens. C'est un grand producteur de cinéma. Écoutez, j'en pense... d'abord, je l'ai écrit dans le livre, alors qu'ils font que 5 millions de lecteurs, qui d'ailleurs envoient peut-être une thèse américaine intéressante qui ont constitué... Moi, je m'en méfie à lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Et cette dérive du nazisme ne vous a pas étonné, au fond? Respect qu'il est fixe d'une façon formelle du monde, l'indépendance. Et l'indépendance... C'est déjà cher. Et c'est déjà cher. En y assistant en hologramme, qu'on n'a plus, on pourrait risquer de ne pas savoir si lutter contre les technologies en tant que telles et qu'on puisse développer des moyens de vérifier si optimiste ni pessimiste dans la vie, j'essaie toujours de voir... Une phrase juive que les réseaux sociaux vous proposent, de gens qu'on pourrait reconnaître bientôt, reconnaître un texte d'une extrême violente critique, pour pas une seconde que vous allez appliquer ce que je vous dis, et je dis ça pour sauver, toujours en gardant ma distance, toujours en étant un intellectuel qui apporte beaucoup à la société française comme ça. Dès le premier jour dans toutes les écoles de journalisme, merci beaucoup. Oui, il faut bien se rappeler que si les juifs viennent en Europe, au XIe siècle, j'avais écrit ça longuement et expliqué ça longuement dans mon livre sur l'histoire économique du peuple juif, c'est parce qu'il y a un début de besoin de crédit. Et que, parce que l'économie décolle pour des raisons de progrès technique, il faut du crédit pour investir, mais que dans la religion catholique, le crédit est interdit. C'est interdit. Donc, on dit aux juifs, vous venez si et seulement si vous êtes prêteurs. C'est pas les juifs qui ont envie d'être prêteurs, c'est la condition qui soit là. Et naturellement, comme dans l'humanité déteste toujours celui à qui elle doit quelque chose pour se donner une bonne raison de ne pas le rembourser, s'installe la haine des Juifs et donc on invente toute une série de raisons de ne pas les rembourser, y compris des fausses nouvelles. C'est lui qui fait démarrer l'imprimerie. Ses commentaires de la Bible.